tous ceux qui me soutiennent dans le combat, tous ceux qui sont avec moi vraiment, parce que je crois que les Camerounais savent que le gâteau international, c'est une personne dans le fond qui a un bon cœur. Et vous savez, on ne dit pas que quelqu'un de bon cœur, on écoute les actes qu'il faut. Et puis on dit, voilà, il y a le bon cœur. Mais maintenant, j'ai toujours combattu, j'ai toujours pleuré, j'ai toujours parlé d'un truc. Dans mes directs, l'esprit des Camerounais, l'esprit, votre esprit. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soutien. C'est vrai, là où je respecte les Camerounais, quand on dit que quelqu'un est mort, je respecte les Camerounais, donne l'argent pour les morts. Si on dit que le président est mort, là-bas, même 60 millions ont sorti. Mais pour les morts, vous êtes fort pour donner l'argent. Il n'y a pas deux personnes qui donnent l'argent pour les morts, comme les Camerounais. Mais vivants, c'est difficile de voir les Camerounais soutenir les frères, aimer les frères. Mais voici, je vais d'abord commencer, on dit en littérature, le général en particulier. Je vais commencer par moi-même. Dieu lui a proposé, ce n'est pas que Dieu ne me bénit pas, mais c'est qu'un artiste est à l'aise quand il est produit par quelqu'un. J'ai déjà proposé plusieurs fois mes œuvres, c'est-à-dire les scénarios, mes éditions, mes événements. Mais je te jure, aucun Camerounais n'a osé venir me dire gâteau, je vais produire ton truc. Mais ils savent écrire que c'est un bon truc, c'est bien, c'est beau, ça va aller loin. Mais personne ne se prononce. Laissons même ce sujet. Parlons des choses importantes ce soir. Nous avons juste 10 minutes. Mesdames et messieurs, je vais commencer par le cas Malox. Je vais commencer par le cas des Camerounais. Vous êtes en train de m'écrire, ils sont au moins 1800. J'ai compté certains 1801, 1801 personnes qui m'appellent. Pour le cas des princes aimés. Vous êtes en train de me dire, voyage avec l'artiste pour la Côte d'Ivoire. Je ris. Vous savez pourquoi il rit? Les gens m'écrivent, quand prince aimé, vous partez en Côte d'Ivoire, voir le petit frère de Bordeaux pour que. Mais ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Comment on va demander à une icône comme prince aimé qui a roulé sa bosse, qui a marqué le temps, de partir voir de Bordeaux pour faire le featuring avec lui? Même si on vient là-bas de Bordeaux, on va dire que les gars, si on sent qu'ils sont assoiffés de ce que je fais, ça nous rabaisse. Ça nous rabaisse complètement. Prince Aimé va partir comment voir Debordo. Pourtant c'est Debordo qui doit venir même vers nous. Parce que c'est grâce à Prince Aimé. Je vais dire grâce à la musique de Vivian que Debordo aujourd'hui encore refait surface. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi ça qu'il a soulevé. Parce que même Debordo lui-même était perdu. Il faut rappeler. S'il n'avait pas interprété Vivian, on ne devait plus parler de Debordo depuis un moment. Peut-être qu'après c'est sorti. Mais grâce à Vivian, c'est lui plutôt Debordo qui doit venir vers nous. Comment on va se lever? Allez. D'ailleurs même, les gens ont dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, je suis prêt à envoyer 500 000 pour que tu payes le billet d'avion tout. Ça ne se fait pas. C'est vrai que chez nous au Cameroun, les artistes n'ont pas de valeur, n'ont pas de place. Mais sachons valoriser nos artistes. Je ne peux pas accepter que le prince se déplace pour aller voir les Bordeaux pour faire le futur. Désolé. C'est sur le premier plan. Je reprends tous les gens qui ont écrit là. Maintenant, le deuxième plan, concernant des Bordeaux. Est-ce que des Bordeaux vous a dit un seul instant qu'il ne doit pas faire le futur avec prince? Vous avez vu où? Vous avez seulement vu les commentaires avec la fille. Il peut dire ce qu'il a dit. Mais il y a les causeries. Il y a toute une équipe qui est derrière lui, qui est derrière prince pour le featuring. Est-ce qu'on vous a dit que ça ne doit pas se faire? C'est là le problème. Ça va se faire. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Alors, avant de parler n'importe quoi, demandez renseignement. Cherchez à savoir ce qui ne va pas, ce qui va avancer, ou alors ce qui se dit. Maintenant, concernant 500 000 que je vois, Franco qui est mon ami, au lieu de m'appeler, il m'appelait, il n'avait pas été tellement payé, je ne vois pas pour l'appel. Au lieu de m'appeler, il me demandait par quoi 500 000. Déjà, les 500 000, vous connaissez la personne qui a prononcé ça. C'est Pifo. Et Pifo, c'est qui? C'est un destructeur. Il est là pour détruire. Qui a reçu 500 francs de qui? Personne. Il n'y a pas eu un 500 000 qui a parcouru les poches de quelqu'un. Jamais personne n'a reçu de l'argent, venant que ce soit de Debordo, que ce soit de ses petits. Personne n'a reçu 5 francs. Est-ce que vous écoutez ce que dit? Personne n'a reçu de l'argent, on a le mouchoir là-bas. Là où nous sommes, là, nous sommes comme ça au motel Free Zone à Sikam. Alors vous voyez, j'ai demandé qu'on éteigne les clips. J'ai demandé qu'on éteigne les ventilateurs parce qu'il veut faire le direct. J'ai peur que les bruits là-bas entrent dans la vidéo. Alors, tout à l'heure, je vous présente les chambres VIP climatisées. Les belles chambres ici même. Et tu viens, tu bois avec l'engrais ici là. Elle rembourse à côté parce que c'est très propre, c'est très beau et c'est moins cher. 8000 francs, tu as la nuitée climatisée. Voilà, on va arriver. Alors, je disais tantôt que, est-ce que quand vous écoutez la toile, il y a beaucoup de gens, comme mon ami Franco. Lui, Franco, le net lui donne beaucoup d'argent. Nous, nos pages ne monétisent pas, ça ne les paye pas. Donc, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça parce qu'on a le cœur. Mais Franco, c'est une bonne personne, c'est vrai. Mais beaucoup de choses que Franco fait, c'est pour de l'argent. Parce que même cette information-là, il n'a pas vérifié avant de parler, il a écouté seulement. Après, il a traité les artistes de Mandjam. C'est une grosse erreur. Entre nous, artistes, nous devons nous soutenir. Je vous assure, que ce soit les influenceurs, que ce soit les musiciens, même, approchez vos artistes, soutenez-les. Maintenant, je reviens au cas Malox Viber. Je vous assure, Malox n'a rien dit de mauvais. Je vais reprendre un peu à ma grande soeur, ma mère, Baron, elle m'a appelé ce matin. Il n'a rien dit de mauvais. Tout ce qu'il a dit n'est que logique. Ne pensez pas toujours que, parce qu'il a compris là, quand il souffrait, vous étiez où? Quel est ceci, cela? L'heure de gloire de tout un chacun. C'est une heure où on ne doit pas blaguer, ça veut dire quoi? Que quand ton heure sonne, même les gens qui t'ont jeté vont venir et c'est toujours Dieu qui les envoie. N'ai jamais les repoussé, n'ai jamais dit que pourquoi quand il était dans l'ombre tu n'es pas venu. Non, dans l'ombre qu'il était là c'était toujours un plan de Dieu. Les gens qui sont venus vers nous là c'était toujours un plan de Dieu. Parce que je vous assure,
Si Malos, il m'appelait, j'ai levé pour créer le mouvement. J'ai causé avec des Bordeaux, les couffes. Les Bordeaux m'a dit qu'il n'est pas contre le mouvement de Malos. Maintenant, le duo avec lui va toujours avoir lieu. Donc, il n'est pas contre le remix avec Malos et les artistes camerounais. Parce qu'il est d'abord fan des Camerounais. Je fais big up à des Bordeaux, bipe le. Et des Bordeaux, les couffes. Mon frère, tu fais les plans. Ça ne me parle pas bien. Voilà. Je suis un fan de Malos parce que c'est un homme très humble et respectueux. Il aime beaucoup les Camerounais. C'est vrai qu'il est parfois déçu de certains commentaires, de certains dégagements des Camerounais. Ce que veut dire grand frère Malos, c'est que les Camerounais sont comme ça, nous sommes méchants. Nous ne nous aimons pas entre nous. Donc c'est un. Mais je dis si au moins deux, vite là, c'est comme ça, nous sommes comme ça au Cameroun. Nous, on plie qu'avec le temps, cela peut changer. Alors, grand frère, je disais tantôt, Malos, son mouvement est même très bon. C'est même à féliciter. Et ça aura lieu. Arrêtez de dire souvent qu'il était où? Il était où? Longue. Arrêtez Prince Aimé, il a arrêté sa maison. Il a aidé Prince Aimé à faire sa maison, son travail. Il a fait ce qu'il avait la tête à faire, c'était d'aider. Il est quitté. Une autre personne peut venir aider. On peut aider une personne, peut aider même 100 000 personnes peuvent aider une personne. Vous pensez que c'est une seule personne qui doit aider? Non. Je dis bien, 100 000 personnes peuvent aider une personne. Est-ce que l'Orphelinat, vous pensez combien de personnes viennent là-bas? Ils sont nombreux. Ne dites pas toujours que. Fermez un peu la porte là. Ne dites pas toujours que. Tu étais au camp des Longa fait ceci. Non, Longa fait sa partition. Chaque personne a sa partition sur la terre. Longa fait sa part. Les autres font les pas. Même moi, c'est moi qui crée le mouvement. C'est moi qui dis, ta vidéo fait les millions de vues avant que ça lève des choses sur la toile. Ma part aussi peut partir, peut finir. Une autre personne parle au relais. C'est logique et normal. Il faut juste encourager chaque acte. Au lieu de dire que non, laisse peut-être bien gérer. Encourager les actes que chaque personne fait pour votre artiste ou bien pour vos artistes. C'est ce qui est très important. Alors, ce que je veux dire, c'est que le mouvement, j'ai posé avec des Bordeaux, le mouvement de Malos est faisable. Mais le duo avec Debordo est en cours. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais mettre mon numéro là-bas pour plus en plus de connaissances, pour que vous entrez plus en connaissance avec ce qui se déroule en arrière-plan pour l'évolution de l'artiste, l'évolution de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que Debordo, les Koufa, je dis bien et je répète, nous devons tous, les Camerounais, dire merci à ce monsieur et non le rejeter. Je dis bien et je répète, nous devons toujours et toujours lui dire merci et non le rejeter. Et non dire que, oh machin, c'est lui, c'est grâce à lui que le mouvement. Te prends ses mains en train de renaître des stars comme le Phoenix. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé, High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, j'ai dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundimal, Yaoundé, au lieu dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fundimol, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net. Site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power.